américain contemporain. Il travaille et vit à New York, mais il est mondialement très connu et représenté dans tous les musées. Ses œuvres sont par exemple dans le MoMA, dans le Tate et même dans le Centre Pompidou, dans les collections. J'adore cet artiste parce que sa technique est totalement unique. Il travaille avec des matériels industriels comme du bois, c'est tout sur un châssis de bois avec du linoléum et par-dessus du goudron, du plâtre qu'il peint après avec la couleur. Et ici, vous voyez le goudron. Après, il l'a travaillé avec de l'alcool de pinceau qui fait que ça fait comme s'il y aurait du feu. Comme on voit, ces peintures sont toujours très réduites. C'est très minimalistique avec beaucoup de couleurs et souvent du noir comme dans la majorité de ses œuvres, il travaille avec du goudron. Ça, c'est unique vraiment pour un artiste. Et je trouve que la matérialité de cette œuvre et la composition est superbe.